Les Nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour départager les 15 candidats en lice pour la présidence du pays. Parmi eux, le président sortant Mahamadou Issoufou et un ancien premier ministre, Hamamadou. Ce dernier a fait campagne depuis sa cellule de prison, mis en cause dans une affaire de trafic de bébés nigérians dont il nie les accusations. Hamadou a été arrêté en novembre dernier. Le président Issoufou brigue un second mandat avec pour objectif annoncé la victoire au premier tour. Sa campagne, portée par le slogan Promesses remplies, était axée sur la croissance économique, l'amélioration des infrastructures et le défi de la sécurité dans un pays en proie aux attaques islamistes. L'opposition lui a reproché d'incarner un régime autoritaire procédant à des arrestations arbitraires d'opposants présumés. Pour beaucoup d'analystes, l'arrestation de Hamamadou a donné un coup de fouet à sa candidature. Parmi les autres favoris du scrutin, Seyni Oumarou, premier ministre sous la présidence de Mamadou Tanja, et Mahamane Ousmane, premier président démocratiquement élu du Niger. Les électeurs doivent maintenant décider entre jouer les prolongations avec Issoufou ou plutôt ouvrir le chapitre de l'alternance.